Allez, Milieu régale-moi. gauche, buteur. Oh! Aujourd'hui, on va ouvrir 11 choix futistes qui vont donc ensuite décider de notre équipe Fut Champions. Les amis, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'espère que tu vas pour le mieux avec Vince. Vidéo exceptionnelle parce que comme tu peux voir juste ici, on vient de terminer de préparer 11 choix futistes 92+. Le but de ces 11 choix joueurs futistes 92+, les amis, ça sera de construire une équipe et ensuite essayer d'aller gagner le maximum de matchs et terminer notre Fut Champions juste avant. Comme d'habitude, les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et également à vous abonner, les amis. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux les gars sur la chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à vous les amis, on vient de rentrer de vacances il y a quelques heures. Ouais. Et on s'est dit avec Vince, on va préparer un petit challenge Fut Champions et on doit le terminer le Fut Champions mardi, quelques heures avant la fin de Fut Champions. Donc voilà les gars, il est très tard dans la nuit mais ça nous fait kiffer de faire cette petite vidéo. Petit disclaimer les gars, si on a des têtes de déterrés c'est normal, il est exactement 2h10 et Fut Champions termine dans 6h. Aussi les gars, petite précision, juste avant que Liam commence à ouvrir, les gars moi de mon côté je suis en 13 victoires, 0 défaite, c'est à dire que pour Liam, une fois qu'il aura ouvert ses fameux 11 choix, il va jouer des matchs. Si tu me vois concentré, c'est parce que moi aussi de mon côté je dois terminer mon Fut Champions. Voilà, je suis pas malade, juste je dois terminer mon Fut Champions. Enfin si, je suis peut-être un peu malade, terminer Fut Champions un mercredi à 2h10 au plein mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça les gars, en tout cas c'est parti, a dit 11 choix futis, c'est maintenant. Et en plus ces choix futis ils sont durs à faire. Une équipe 87, une équipe 88. Le but ça sera de construire une équipe forcément complète de très bons joueurs. Je vais prendre Wendell, défenseur gauche. Je pense que ça peut être sympa, surtout que les latéraux ils sont peut-être un peu plus difficiles aller chercher, ils sont rares d'habitude. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le deuxième joueur. Ouh, McKinney. À mon avis McKinney c'est pas forcément mauvais, en sachant que Liam peut jouer potentiellement en 4-3-3 ou 4-4-2. Tout dépendra des joueurs qu'il aura du coup à sa disposition. Et là Bruno Guimaraes, ce qui veut dire que là Liam a déjà ses deux milieux de terrain. Ouais, McKinney, Bruno Guimaraes, c'est des très bons milieux de terrain, ces choix futiles ça donne. Maintenant il faudra peut-être se concentrer sur d'autres positions plutôt que le milieu de terrain. Oui. Je pense potentiellement Danso. Je pense Danso peut être intéressant. Défenseur central, 95 de notes, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que je prendrais Danso parce que Sarmiento, attaque en gauche, c'est sympa. N'hésite pas aussi à voir les étoiles de gestes techniques et mauvais pieds. Ouais, c'est vrai qu'il faut peut-être des fois analyser les joueurs. Dites-nous les amis si vous kiffez ou pas ce genre de concept. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir avec Vince, surtout au mois d'août, en fin d'année, comme ça nous fait vraiment plaisir. Je pense les amis, je vais peut-être faire le froussard là-dessus, mais je vais peut-être partir sur le gardien. Je pense que avoir un gardien, c'est peut-être pas sûr qu'un gardien puisse retomber dans ses choix. Donc on va y aller avec le gardien, pas de souci. Allez, donne-moi du lourd pour le prochain choix. Ouh, Chaka. Là, à mon avis, t'as peut-être ton buteur. Ouais, je vais peut-être prendre Borja parce qu'en vrai, j'ai déjà Guimaraes et McKinney au milieu de terrain. Je vais prendre Borja. Ça serait plus stratégique, les gars, de prendre le buteur. Et comme ça, tu vois, t'as déjà ton dev centre, t'as déjà ton DG, t'as ton goal et ton autre décès. Diego Carlos, hein. Je pense que je vais le prendre. Du coup, ça va être Danso, Diego Carlos au plus Wendell, plus Dashtagen. Et donc là, maintenant, c'est milieu droit. Allez, milieu gauche, buteur. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Graham Hansson, mon dieu. Les gars, c'est une folie. Oh là là. ADMD, en plus elle peut jouer MD frère. Elle coûte juste, elle coûte combien sur le marché? Compare son prêt, elle coûte combien sur le marché? 6 millions. Elle est dans les packs. Bah, vu le nombre de Graham Hansson sur le marché, les frérots. Oh, 6 millions. Les gars, je vous prends. En plus les frérots, j'ai mis, vraiment, j'ai mis mon club dans la gadou. Liam, il a fait 11 équipes 87, 11 équipes 88 sans même ouvrir de pack. Parce que du coup, dès que tu fais un choix, tu peux pas ouvrir de pack. Comme quoi. Les gars, on s'est dit, mais tu fais un défi Fut Champions un mardi soir, qu'est-ce qui se passe? Bah là du coup là t'es obligé de prendre Patrick Schick. Il peut jouer défenseur droit Loup? Non, j'ai pas mon défenseur droit. Bah sinon tu prends Murillo. Murillo hein. Parce que là en fait il faut voir du coup les positions. Il faut voir les positions. Ton goal c'est bon. Tes deux DC c'est bon. C'est bon. DDDG c'est bon. Ton MD du coup c'est bon. C'est bon. Bon. Donc là il te manque ton MG et ton buteur. Il te reste deux choix. C'est les gars. MG en seul 6 millions. C'est fou frère, c'est fou, c'est fou. Aïe 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 aïe. Est-ce que c'est le milieu gauche que toi? Est-ce qu'il avait 5 GT ou pas? Ça m'étonne rien. 5 mauvais pieds. En vrai c'est pas mauvais. Vous savez quoi les gars, je vais prendre Osario. Et là par contre il te faudra absolument un buteur. Là, je vais prendre Osario, ouais. Là il faut absolument un buteur. Aïe 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 aïe. Ou sinon tu sais quoi? Tu fais jouer Hansson à 0 de colle, tu l'as fait jouer devant. Bon on s'en fout non? Les gars on s'en fout, c'est pour le défi, on s'en fout. Et comme Hansson, tu pourras juste la bosser devant. La bosser quand elle est devant. Les gars 6 millions au mois d'août. C'est ahurissant, dans cette économie là c'est l'équivalent à 15 millions les frérots, je vous la fais courte. Hein. Mais elle est trop rare, moi j'ai jamais vu les gars. J'ai même pas qu'elle était dans les packs moi de mon côté. J'ai même pas qu'elle était dans les packs. Moi aussi.
Donc Liam va faire son équipe, moi de mon côté les gars, je joue mon Fut Champions tranquillement avec ma petite équipe. D'ailleurs, les gars, je vous montre, on change d'écran, je vous montre ma petite équipe et comment on joue. Je suis en 13-0, pour le coup les gars, je suis assez surpris de moi. Je vais aller dans tactique perso, c'est dans tactique perso qu'il faut. Et je joue comme ça, 4-1-2-1-2-2, voilà les joueurs que je joue en leur, par leur position. Puskas, Mossé, Rivaldo buteur et Mario Gomez avec Zico, Valverde, Steven Gerrard. Et je suis en 13-0 avec cette équipe. Ça bosse, hein. C'est plutôt sympathique, les gars, et en termes d'instruction. C'est Nuno Mendes, attaque équilibrée. Jesus Navas, resté derrière en attaque. Steven Gerrard, resté derrière en attaque, couvrir centre. Valverde, Zico, c'est attaque équilibrée, les deux, couvrir elle. Et enfin, ce sera Puskas, revenir en défense. Et les deux devant, rester devant. Voilà, les gars. Je n'empiète pas plus sur la vidéo de Liam. Je vais rester dans ma tanière. Jouer à mon Fut Champions pendant que Liam vous présente son équipe. Les gars, je pense que je vais jouer comme ça. En fait, ça, je trouve ça dommage d'avoir Graham Hansson et de la faire jouer avec zéro de collectif. Comme d'habitude, pour les défis, c'est que je vais mettre une équipe argent, comme ça je vais pas pouvoir faire de remplacement. Et puis c'est parti les frères, on va essayer de terminer en 14. Je suis en 12 victoires et 4 défaites. Donc l'objectif, ça sera d'aller chercher les deux dernières victoires. Puis ensuite, on ouvrira nos récompenses Fut Champions avec cette équipe 100%, 11 choix futis, décide de notre équipe Fut Champions. Et pour le coup, je trouve que je m'en suis très très bien sorti les frérots. Comme tu peux voir, je suis en 12 victoires, 4 défaites. C'est parti les amis, le but ça sera d'aller chercher les 14 victoires le plus rapidement possible. Et donc j'ai mis Vincent Kompany pour nos amis belges avec coach la Liga Féminine. Comme ça notre Graham Hansson national sera à 3 étoiles de collectif. C'est donc parfait pour la tester. Côté droit, je fais pas de tactique perso vraiment les amis. C'est le plus basique possible. On va voir l'équipe de notre adversaire. J'espère tomber sur une équipe pas trop dure. Là, j'affronte des vrais tryhards, les gars. Il reste seulement quelques heures avant la fin du Fut Champions, plein milieu du mois d'août. Je pense que les mecs, ce sont des tarés. Et là, on va affronter un 5 défenseurs derrière. Waouh, très très belle équipe. À voir ce que ça va donner contre cet adversaire. Il me donne la win. Graham Hansson, il me donne la win, quel roi, magnifique. Écoutez les amis, je vais pas vous mentir que là, cette free win m'a fait vachement plaisir. À voir si on peut peut-être aller chercher les 16, hein. Oh les gars, qu'est-ce qu'elle est rapide, Graham Hansson. Allez, Borja. Oui. Tire puissant, timing vert, magnifique. Qu'est-ce qu'elle est rapide sur son côté, la vache. Oui, oh, Makini, oh, magnifique. Magnifique. Les gars, je pense qu'on va essayer, d'aller chercher le 16, hein, parce que là, en vrai, je vais pas vous mentir, une petite victoire 2-0, plus une free win, on va essayer le 16. Waouh. Waouh, 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 waouh. Les gars, Graham Hansson, je crois que j'ai jamais joué avec une joueuse aussi agile que ça. Vas-y Borja, oui, timing rouge, magnifique. Je pensais pas qu'elle allait rentrer celle-là les frérots. Penalty. En plus j'avais raté mon face à face. S'il peut lui mettre rouge et il quitte directement. Les amis, ça va super vite. C'est parti pour la finale, pour les 16 victoires. Ah, il a fait le décalage, magnifique. Ah, magnifique le but. Bien joué, très beau but. Allez, let's go Graham Hansson. Oh là 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 là. Elle me fait trop de différence, Caroline. Oh, le but gag, c'est une folie, les gars, mon Dieu. Bien joué. Oh là là, les buts que je me prends, les gars, c'est... Bon, les gars, je vais quitter. Et mec, il m'a tué en seconde mi-temps. Pourtant, j'avais les occasions, hein, de peut-être même mener au score. C'est pas grave, on va s'arrêter en 15, c'est dommage. Le plus important, les gars, c'est que j'aurais packé Graham Hansson. Franchement, une carte à 99, c'est assez rare. Mais bon, je suis quand même un petit peu déçu de mon dernier match. Je pense que j'aurais pu aller chercher les 16. Mais bien joué à mon adversaire, j'ai pas mis mes occasions. Il a été meilleur que moi. Les amis, voici donc mes récompenses Fut Champions pour 15 victoires et 5 défaites. Honnêtement, les gars, je suis assez fier de ma performance quand même parce que j'ai plié ça en 2-3 heures, pas plus. Donc, je suis vraiment content. Le premier choix. Bah ça sera Wilfried Zaha. Liam, il est chanceux ce soir. Bizarrement, dès qu'on fait pas de FIFA bingo, je tape des notes 87 ou plus. Bizarrement. Curieux. Bizarre. En vrai, ça donne là, non? Ça donne plutôt pas mal, les gars. Ça donne plutôt pas mal. Après, voilà, tu fais Fut Champion juste pour essayer de t'amuser et de te sentir un petit peu récompensé dans les packs. Liam va prendre le TOTS parce qu'Antonio, ça peut pas compter dans les SBC alors que lui... Oui, les TOTS, c'est tout ce qui est boost, les gars, ça se vend encore hyper cher. J'espère que pour la prochaine série des futis, on va avoir plus de joueurs TOTS dans les packs. C'est parti pour mon choix, 95+. Allez, donne-moi du Laureate Sports. Marquinhos. Marquinhos, Liam l'avait perdu avec potentiellement ce Flamingo. Je suis content. Il l'a retrouvé. Je suis très content. Allez, le deuxième.
Ouf. Je te dirais Oblak, Oblak est plus rare que l'ultime. Ouais, en fait, les deux sont quand même pas trop rares. Bon, Wilfried Zaha, je sais pas, ça se vend combien. Ok, c'est pratiquement Fodders, mais c'est quand même une note à 97, c'est plutôt cool. Et maintenant, on va ouvrir, bah du coup, je sais pas si je pourrai ouvrir le pack, en fait. Parce que j'ai beaucoup trop de packs pour avoir préparé tout ça. Bon, les gars, j'ai pas beaucoup de packs, hein. Je vais ouvrir le pack 4. On va ouvrir celui-là, hein. Ouais, c'est dommage que je peux pas l'ouvrir. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on va l'ouvrir dans une prochaine vidéo, oui, ça c'est oui, sûr. C'est pas bien grave, ça, les gars. On monte, c'est MOC, Rosicky. Ok, ça peut être Totti derrière, ok, ça va être Diani. Dommage que ça soit pas Tots derrière. En tout cas, les frérots, c'est sur ça qu'on va conclure cet épisode de 11 choix futis décide de notre équipe Fut Champions. Et oui, les amis, Liam aura eu Graham Hansen 99. Malheureusement, on peut pas ouvrir d'autres packs. De notre côté, les amis, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et on espère, du coup, avoir la même chance dans les prochains jours que Liam. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne. Merci à tous les frérots qui vont le faire. Merci les gars, on est en route pour aller chercher les 250 000 abonnés. Et n'hésite pas à aller checker nos autres vidéos challenge, que ça soit avec des choix ou même avec le FIFA Bingo. Tous les liens sont dans la description. Gros bisous les gars, ciao.